tu es ma lumière. L'extérieur, mais il s'intéresse de l'intérieur, notre cœur. Raison pour laquelle il nous est demandé de faire cette réconciliation dans l'amiable pour que le culte de ce dimanche soit exaucé et que la paix et la bénédiction soient entre nous tous. Pour cela, un petit temps vous est accordé. Thank you.
Amen, Libota. Libreville Show. Libreville Show. Non, votre chaleur. La chaleur commence à diminuer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, car il est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. C'est grâce à lui que nous sommes ici ce matin. Disposons notre cœur ou disposons nos cœurs pour écouter ce que l'Éternel nous a réservé ce matin. Évitons la distraction, soyons concentrés, prenons notre Bible et ensemble, nous allons lire dans Épître de Jacques. Épître de Jacques, chapitre 4, 17e verset. Amen. Amen. Les conseils de ce matin ou la prédication est tirée dans l'épître de Jacques, chapitre 4, 17e verset. Si nous avons trouvé, lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Nous relisons Jacques, chapitre 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons reprendre la lecture du texte ou de la prédication pour ceux qui n'ont pas bien saisi ou ceux qui sont venus un peu en retard. La prédication de ce matin ou les conseils de ce matin est tiré dans l'épître de Jacques, à son chapitre 4, 17e verset. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. 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 Peuple de Dieu, amen. Amen. Est-ce que tout le monde ici a la Bible? Tout le monde ici a la Bible. Amen. Amen. Un enfant qui part à l'école sans cahier, sans stylo, qu'est-ce qu'il va noter? Comment va-t-il faire la révision? Et qu'est-ce qu'il va comprendre? Amen. Amen. L'église est une école. Chaque prédication, chaque exhortation, c'est un enseignement.
qui mérite d'être noté quelque part et faire la révision. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Dans nos maisons, parfois, à la fin du mois, quand il y a paye, on préfère faire la provision, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Pourquoi nous préférons faire la provision à la maison? Vous achetez des sacs de riz. Ceux qui sont encore dans les vivres frais, ils vont remplir les cartons de poulet. Amen. Ça, c'est pour économiser. Dans la maison de Dieu, l'enseignement aussi, c'est une provision. Mais une provision qui devrait être bien gardée. Parce que toutes nos têtes là sont remplies de beaucoup de choses. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. D'autres sont là seulement, tu les vois, mais il n'est pas ici avec nous. Amen. Parfois, il est déjà au village. Parfois, il est déjà en France. Parfois, il est au lieu de travail. Mais le corps est à l'église. On peut prêcher. Mais parfois, à l'instant, il comprend un peu. Mais à la fin, quand il sort d'ici, quand il revient demain, vous lui demandez la prédication d'hier. Il dit, ah, Moté, vraiment là, je n'ai pas bien saisi. Il y a trop de choses dans ma tête. Amen. Amen. Donc, tout fidèle de l'Iloba devra avoir sa propre Bible. Et un cahier même, pourquoi pas, pour écrire, pour noter. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Ce matin, Dieu nous amène dans l'épître de Jacques. À son chapitre 4, 17e verset. Jacques était disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, il était devenu apôtre. Jacques était frère de Jean. Ils étaient pêcheurs. Ils étaient avec leur père Zébédée dans la barque quand Christ les trouva en train de raccommoder leur filet. Christ les a appelés et ils ont suivi Christ et ils ont tout abandonné. Jacques est parmi les apôtres qui, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, étaient restés des colonnes de l'Église à Jérusalem. Pierre était le premier responsable et Jacques et Jean, son frère, étaient le collaborateur direct de Pierre. Ce sont eux qui géraient tous leurs frères qui sortaient à l'intérieur ou à l'extérieur de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle du royaume du ciel. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il était inspiré. Il a vécu avec Christ. Il a reçu beaucoup de choses. Et ce matin, c'est parmi ces écrits que Dieu veut nous enseigner. Dans ce que nous avons lu, c'est une matière à réflexion. Jacques dit, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen.
celui donc qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. C'est une matière à réflexion. C'est-à-dire, réfléchissons ensemble. Moïse a dit à Josué, son successeur, il a dit à Josué, le livre où il y a le commandement de Dieu, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Moïse qui dit à Josué de lire, de ne pas s'éloigner des livres de la loi. Mais Jacques nous enseigne ce matin, parmi les trois savoirs qui existent, le savoir être, le savoir faire et le savoir vivre. Dans le savoir être, qui est l'homme? Si Dieu te posait la question, qui es-tu? Quelle serait ta réponse? Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Qui es-tu, papa, maman, qui es-tu? Quelle serait ta réponse? Amen. Amen. Qui es-tu? Mais tu es fils de Dieu. Car Dieu lui-même dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils que je viens d'engendrer aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Nous sommes les fils de Dieu. Dieu nous a engendrés par sa parole, à travers son Église, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des fils et filles. Dans le savoir-être, il y en a parmi nous qui doutent parfois de leur existence. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y en a parmi nous qui ne savent pas qui est-il, quelle est sa présence, quelle est son importance dans la maison de Dieu. Et dans le savoir vivre, le savoir vivre, il y en a aussi parmi nous qui ne savent pas vivre avec les autres. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Le savoir vivre, c'est quelque chose de très important qui détermine notre mentalité. Beaucoup ne savent pas vivre en bon terme, en harmonie avec les autres. Amen. Là où il est, il a toujours l'esprit de la division. Amen. L'esprit d'être écarté des autres. Amen. De mettre la division. Amen. Pour lui, c'est toujours le Colossa. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le savoir vivre. Et enfin, le savoir faire. C'est ce que l'apôtre Jacques nous enseigne ce matin. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Celui qui transgresse la loi de Dieu, c'est celui-là qui commet le péché. Mais quelqu'un qui a la semence de Dieu en lui, quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui, cette personne-là fait attention à tout ce qu'il fait. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc Jacques voulait attirer l'attention de tout un chacun de pouvoir faire attention à tout ce que nous faisons. Surtout les actes que nous posons. Car Dieu dit, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. Dieu ne tient pas l'apparence des personnes, qui que vous soyez, grand, petit, riche ou pauvre. Devant Dieu, vous devrez faire très attention. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Et il n'y a pas l'acceptation des présents. Donc on ne peut jamais corrompre Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? L'or, l'argent. Quelle matière précieuse qu'on va donner à Dieu pour lui corrompre? Pour qu'il puisse changer le bien en mal ou le mal en bien. Chez Dieu, le bien reste le bien, le mal reste le mal. Alors faites attention à tout ce que vous faites. Tu connais ce qui est bien, tu le sais très bien, tu le maîtrises très bien. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Pourquoi tu n'as pas le pouvoir de faire ce qui est bien? Or, ce qui est bien, c'est ce qui est honorable, ce qui est louable. Faire le bien, c'est la recommandation de Dieu. Celui qui fait le bien, c'est celui-là qui prie Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Celui qui fait le bien, c'est celui-là qui prie Dieu. C'est vrai. Mais toi, tu connais le, tu sais très bien ce qui est bien à faire. Mais tu n'arrives pas à faire ce qui est bien. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas faire ce qui est bien? Pourquoi tu es limité? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Tu sais très bien que venir à l'église, c'est bien, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi? Tu viens tantôt plus tôt. Pourquoi? Parfois tu as l'envie, mais parfois l'envie là n'est plus. Tu sais bien, il est bien de payer la dîme. Tu le sais très bien. On t'a déjà enseigné sur ça. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ce qui est bien? Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à respecter le savoir-faire? Celui qui ne fait pas ce qui est recommandé commet un péché. Même Salomon dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi de Dieu, même sa prière est une abomination.
Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Vous détournez l'oreille pour ne point écouter la parole de Dieu. Même votre prière sera une abomination devant Dieu. Amen. Dieu va retarder tous vos besoins. Dieu va retarder toutes vos demandes. Parce que vous vous détournez l'oreille en sa loi. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est la volonté de Dieu. C'est ça le bien. C'est ça qu'il faut pratiquer. Raison pour laquelle il dit maintenant là, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Amen. Maman, est-ce que tu veilles sur tes actes? Amen. Les actes que tu poses. Ta conscience en est témoin. Quand tu te mets en colère, quand il y a des décisions qui n'honorent pas Dieu, ta conscience parfois te dit que à l'heure là, tu commences à t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais parfois l'homme est corrompu par la décision mauvaise qui provient de son cœur. Il se dit, je ne suis pas le premier et je ne serai jamais le dernier. Nous sommes tous pécheurs. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Or, dans sa parole, Dieu dira, il n'exauce pas le pécheur. Ceux qui savent faire le bien et qui ne le font pas, ils commettent le péché. Leur prière sera difficile pour qu'elle soit exaucée. Amen. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient pour prier Dieu, il faut crier. Il faut parler beaucoup. Il faut multiplier des prières. Vraiment. Peut-être Dieu, c'est un sourd. Peut-être Dieu est loin. Peut-être Dieu est en voyage. Non! Nos actes, le geste que nous faisons, parfois nous bloque, nous barre la route pour que l'Éternel nous soit favorable dans nos prières. Amen, amen peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Ici à l'Iloba, on ne vous enseignera pas autre chose. Personne ne peut corrompre Dieu par le bien matériel. Personne. Pour notre Dieu, tout ce que vous faites est noté. Le bien reste le bien et le mal reste le mal. Dieu ne changera jamais le bien en mal. Si vous faites ce qui est bien devant sa face, il va considérer ce bien-là. Mais si vous faites ce qui est mal devant Dieu, durant toute votre vie, sachez-le, le mal-là va rester comme ça. Maintenant que chacun de nous puisse examiner ce qu'il fait, les actes que tu poses, que ce soit à l'église, à la maison, au travail, dans tes relations. Tu fais ce qui est bien ou ce qui est mauvais? Ce qui est bien, tu le sais. Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire ce qui est bien pour accomplir la volonté de Dieu? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Car tous nous avons besoin de l'aide de l'Éternel. Mais pour que l'Éternel nous vienne en aide, il nous demande de faire ce qui est bien tous les jours. Tous les jours de notre vie, nous devons faire ce qui est bien. Nous devons être prisonniers de bonnes œuvres. Mais parfois, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Nous nous contentons de futilité. Nous nous engageons à ce qui ne contribue pas à l'édification, à ce qui ne contribue pas à notre bonheur. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Le péché. L'iniquité. Le péché. C'est l'acte qu'on pose avec conscience.
Vous savez que ce que je fais là, Dieu est contre. Mais tu le fais toujours. La désobéissance est punissable. Maintenant, il nous dit que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous. La crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille du Christ. Amen. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Est-ce que tu es déjà au premier pas de la sagesse? Ou bien, tu es à 1000 kilomètres? Parce que tu ne discernes pas ce que tu fais. Tu ne sais pas faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le discernement, il n'y en a pas. Tu ne crains pas Dieu. Amen. Tu ne t'éloignes pas du mal. Mais le contraire, tu embrasses le mal. Amen. Mais sache-le, bien que tu sois l'iloba, bien que tu chantes les cantiques nouveaux, bien que tu chantes la septième trompette, mais si tu ne fais pas le discernement, tu seras écarté devant Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons appuyer ou amplifier le propos de notre juste prédicateur et nous allons convoquer le livre de 2 Chroniques en son chapitre 19 et au verset 7e. Lisons la parole de Dieu en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. Amen, peuple de Dieu. Amen. Essayons davantage d'implanter cela dans nos cœurs pour un changement souhaité. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, en son chapitre 19 et au 7e verset. Nous lisons la parole de Dieu en nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais bien qu'à l'église, contribuer à l'église, c'est bien, mais tu ne le fais pas. Donner l'offrande, c'est bien, mais tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Comme Paul a dit, j'ai la volonté de faire ce qui m'est recommandé. Mais il y a une autre loi qui m'attire. La loi de mon entendement m'attire pour ne pas faire ce qui est recommandé par Dieu. Et là, je vois, le péché habite encore en moi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Or, ce qui est né de Dieu, ou celui qui est né de Dieu, ne pêche plus. Il n'y a plus de péché pour celui qui est né de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, pour lui, il n'y a plus de péché. Ce qui nous manque, c'est le pouvoir. Nous avons la volonté, parfois, d'aider ceux qui n'en ont pas, de soutenir l'œuvre de Dieu. La volonté y est, bien sûr, mais nous n'avons pas le pouvoir. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Nous n'avons pas ce pouvoir. Pourquoi on n'a pas ce pouvoir? Car nous n'avons pas encore reçu la parole dans notre cœur. Peut-être nous écoutons seulement la parole. Car Dieu dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui est déjà enfant de Dieu a tous les pouvoirs de surmonter
le mal en bien. Mais quand on est toujours attiré vers le mal, là, on est encore dans le péché. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est ce que nous écoutons tous les jours à l'église. C'est ce qu'on nous enseigne tous les jours à l'église. Mais pourquoi il faut transgresser la loi? Pourquoi nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la parole? Le savoir-faire. Dieu nous reproche de nos actes vis-à-vis de lui. Tout ce que nous faisons, nous devons savoir si ce que nous faisons plaît à Dieu ou ne plaît pas à notre Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, famille de Christ. Amen. Afin de permettre à nos esprits ordinaires d'intégrer la pensée de l'esprit, nous allons amplifier le propos du prédicateur du jour. Cette fois, nous convoquons Romains en son chapitre 7. Nous prenons du verset 18 au verset 20. Lisons la parole de Dieu en l'envissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui fais. C'est le péché qui habite en moi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous reviendrons. Romains, chapitre 7, verset 18 à 20. Nous relisons la parole de Dieu en nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous relisons la parole de Dieu en nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Raison pour laquelle les gens promettent, Moté, je vais faire ceci. Quand j'aurai la... Il faut que chacun puisse bien examiner ce qu'il fait. Ce que tu fais, fais le bien. Ce que tu as à faire, ce que tu as résolu de faire, fais le bien. Sans murmure, sans aucune inquiétude. Car la volonté que vous avez pris ou que vous avez devait être accompagnée par le pouvoir de l'exécution. Et c'est ce qui manque. Voilà, ce matin, Jacques nous interpelle. Nous savons ce qui est bien, mais nous ne faisons pas ce qui est bien. Pourquoi? Parce que nous vivons encore dans le péché. Amen. Nous devons nous séparer du péché pour que notre Dieu soit tous les jours attentif à nos prières. Amen. Tout ce que nous allons demander jour et nuit, même avant de demander, que cela nous soit exaucé en faisant ce qui est bien pour l'amour de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'elle vous bénisse. Oh,
Malgré les autres
passion, malgré tout ce que vous avez eu, qui a failli vous empêcher de venir faire la volonté de votre père. Mais vous vous êtes fait violence, et pour ça, que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons, en quelques lignes, parler du message du jour. Le plus important, c'est la mise en pratique. Car Dieu dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Si nous regardons aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est ça. Nous voulons tellement automatiser les choses et obtenir les choses au moment où nous le désirons. Amen. Amen. Si aujourd'hui les Ngangas ont eu de l'ampleur, ce sont des enfants de Dieu impatients, exigeants, qui ont fait en sorte que les Ngangas aient de la valeur, de l'ampleur aujourd'hui. Si le diable, Satan, essaie de régner aujourd'hui ou de lever la voix, justement parce qu'il y a parmi nous des enfants de Dieu impatients, exigeants et visant que leur intérêt égoïste et qui n'amène rien de la part de Dieu et qui ne donne aucune importance capitale à ce qui concerne notre Dieu. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Pourquoi, lorsqu'ils viennent vers Dieu, ils veulent à tout prix obtenir ce qu'ils désirent. Ils veulent du tic au tac. Aussitôt demandé, aussitôt obtenu. Amen. Amen. Mais Dieu n'agit pas comme un homme. Combien de fois tu pourras comprendre? Ou à quand est-ce que tu peux comprendre que Dieu n'agit pas comme les hommes? Il donne quand cela lui semble bon. Il donne quand il trouve nécessaire de donner. Et que cela peut être utile. Tu peux l'avoir sans bénéficier de ça. Quelle grande douleur. Amen. C'est ça le véritable problème du chrétien. Lorsqu'il vient dans la maison de l'Éternel, il établit le calendrier. C'est en fonction de ces calendriers qu'il évolue. Le jour que son calendrier va expirer, il se décourage. Il se démotive. Amen. Mais comment vous ne comprenez pas que Dieu n'a pas que besoin de vous donner ce dont vous avez besoin, mais il a aussi besoin de sauver vos âmes. À quoi sert d'obtenir la guérison de la chair si ton âme sera perdue? Comment ne comprends-tu pas que tu peux être guéri aujourd'hui et demain tu peux encore tomber malade? Tu peux avoir la solution aujourd'hui, demain notre problème se résoudra. Mais le salut des âmes, c'est ce qui est plus capital devant l'Éternel. Peu ceux-là qui prient Dieu pour obtenir le salut, mais plus c'est pour obtenir le matin. Amen, peuple de Dieu. C'est ce qui englobe la prédication qui nous a été exposée ce matin. Jacques chapitre 4. Ce chapitre est une division en deux parties. Amen. La prédication de ce matin est subdivisée en deux parties. C'est-à-dire que le chapitre dans lequel cette prédication est tirée, il est subdivisé en deux parties, deux grandes parties. Notamment la première partie dont le titre est le test de la compromission avec le monde. La première partie
de cette prédication. Amen. Amen. La première partie est intitulée « Texte de la compromission avec le monde ». Et la seconde partie et la dernière est intitulée « La dépendance ». Amen. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par ces deux parties? C'est simplement ce que nous sommes en train de vouloir expliquer et puis nous coupons. La compromission avec le monde. Mais c'est le texte. C'est le texte. Test de la compromission avec le monde. Test de dépendance. Deuxième partie. Amen. Dans la tête, dans le test à l'esprit de compromission avec le monde, on montre la vie quotidienne de l'homme. Quel homme? Celui qui prétend prier Dieu, mais qui ne comprend rien. Donc, ce que c'est prier Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dans la première partie, il s'agit bel et bien de toi, mon frère, ma sœur, toi qui es ici dans ce lieu, mais qui malheureusement ne comprend pas le fond du message. Pour pouvoir adopter une attitude, un comportement digne d'un enfant de Dieu qui prie Dieu tous les jours et qui honore son Dieu. Amen. Amen, Père de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on parlera de test de compromission? Et là, donc, Dieu nous fait remarquer que nous sommes en train de chercher à voir des choses venant de lui. Et à un moment donné, on se met dans une position à condamner Dieu parce qu'il ne le fait pas en temps. Je ne dirais pas en temps réel. J'ai envie de dire autant que nous voulons, nous les hommes. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas? Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses ceci, cela. Oui, ces besoins, à mon avis, et selon Dieu, selon ce que nous lisons dans sa parole, ces besoins n'est pas aussi important à ce moment que ça. Il viendra un temps, il viendra un moment où tu auras vraiment besoin de cela. Et quand Dieu te donnera cela, tu seras plus dans la joie que lorsque, s'il te donnait avant, quand tu en avais besoin, superficiellement bien sûr. Amen. Amen. Si Christ avait guéri Lazare étant malade, ce miracle n'allait pas avoir une telle grande connotation. Il a fallu que Lazare meure. Mais le messager qui venait annoncer la maladie de Lazare à Jésus, ils avaient besoin que Jésus aille aussitôt guérir cet homme. Amen. Mais l'Éternel connaissait quel était le plan qui se cachait derrière la maladie de Lazare. Et cela a été exprimé par la réponse de Jésus, sans que quelqu'un ait comprendre ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire le fond du message de Jésus. Amen. Ce qui te dérange, c'est justement parce que tu regardes le moment présent et les besoins que tu as. Le reste des détails ne te concerne pas. Amen. Voici pourquoi tu te retrouves toujours à dire, si j'ai ça, il y a beaucoup qui ont perdu la foi. Vous savez pourquoi? Après avoir pressé Dieu de lui donner ceci, cela, Dieu n'ayant pas voulu satisfaire son désir, et qu'est-ce qu'il fait? Bon, puisque tu le traites d'incapable, dans tes propos, tu sors de propos déviants qui excitent la colère de notre Dieu, comme c'est fait des cas avec les enfants d'Israël dans le désert. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Il te donnera exactement comme il a donné aux enfants d'Israël qui voulaient manger la viande. Mais vous savez, il demandait cette viande en utilisant des propos décevants, des propos déviants, des propos qui excitaient la colère de Dieu. Alors, en quelque sorte, cela était considéré comme une tentation. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Amen. Amen. Dieu dit, bon, écoutez, c'est vrai, vous avez besoin de la viande. Certes, vous voulez manger de la viande.
Je préfère vous donner l'équivalent. Ce qui vous est important, ce qui est mieux pour vos santé et vos âmes. Il prend le bleu du ciel. Écoutez bien, est-ce que dans le ciel ou dans le ciel, il y a le bleu? Oui, parce que cela est écrit dans la Bible, noir sur blanc, que c'était le bleu du ciel. Pourquoi cette particularité bleu du ciel? Pourquoi ne pas simplement dire le bleu, mais aussi il faut dire bleu du ciel? Parce qu'il y a une différence et une particularité. Et cette particularité, Dieu voulait bien la faire comprendre et la montrer aux enfants d'Israël pour comprendre quelque chose. Laquelle? Nous fermons la parenthèse. Nous vous expliquerons de quoi il s'agit lorsque nous allons parler de la prédication. Il les a donné la manne que vous connaissez. Ils ont goûté la manne, mais le cœur n'était pas satisfait. Dieu voyait que, en leur donnant ce qu'ils désiraient, il y aura des conséquences. Il y aura des choses qui vont se passer dans le désert. Beaucoup d'entre eux vont perdre la vie. Il est mieux que je leur donne ce qu'ils ne me demandent pas, mais ce qui est mieux pour eux, qui pourra les préserver là. C'est souvent toi, tu es confronté à ça. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, s'il ne te donne pas, surtout si tu ne te reproches de rien, papa, maman, soyez très à l'aise. Dites à Dieu que ta volonté soit. À force de forcer Dieu la main, il risque de te donner les écailles, les oiseaux scellés à la place de la manne. Parce que pour toi, la manne que Dieu te donne maintenant, tu n'apprécies pas. Tu as besoin de manger la viande. Attendez, ne continuez pas à forcer la main à Dieu au risque de te donner les oiseaux scellés et que tu meurs tout de suite. Et que ton destin soit compromis. Et que ta destinée soit compromise. Amen, peuple de Dieu. Amen. Arrêtez de continuer. Attendez le moment de l'Éternel. Car il nous a exhortés en disant ceci. C'est une prophétie dont le temps est l'ordre est chronologique. Le temps des réalisations. Le temps que tu obtiens ce que tu as demandé à Dieu. Il est celui qui ne donne pas le bois à celui qui veut le pain. Certes, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Écoutez, il respecte sa parole. Il tient à sa parole. Puisqu'il a promis, il va réaliser. Qu'est-ce qu'il dit? Il te donnera ce que tu désires. Il ne te donnera pas le contraire. Mais le problème avec toi, c'est le temps. Amen. C'est ça le problème avec toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que cela marche vers son terme? Pourquoi veux-tu précipiter les choses? Attention! Tu auras besoin de la viande, il te donnera les oiseaux ailés. Et qui va tout foudre en l'air. Et qui va tout compromettre. Voici le vrai problème des chrétiens. Nous ne savions pas attendre. La notion de la patience, nous l'avions oubliée. Dieu, sachant que cette notion était si importante, à son égard, il en a énuméré parmi ses esprits, ou parmi le fruit de l'esprit. Parmi les fruits dont Dieu a besoin, que tu puisses donner, ce qu'il désire manger tant, il a énuméré la patience. Ou la persévérance. Pourquoi nous ne comprenions pas? Pourquoi ne persévérons-nous pas? Pourquoi lorsque tu n'obtiens pas autant voulu ce que tu as demandé à Dieu, c'est que même l'église n'est plus la bonne église. Même ce Dieu-là, il n'est plus un bon Dieu. C'est ce qui te pousse à aller consulter le Nganga. Voilà comment tu as valorisé le Nganga. Mais attendez, il suffit simplement de regarder et de comprendre pourquoi est-ce que je ne meurs pas. Si Dieu me laisse en vie,
c'est que quelque part je suis utile. C'est que quelque part il a un plan pour moi. Autrement, si tu n'étais pas important, tu n'avais pas un projet, tu serais parti. Lorsque Dieu te trouvera inutile, tu mourras tout de suite. Mais qu'est-ce qui le justifie? Jésus a dit qu'il y avait un homme qui a planté sa vigne. Et là-dedans, il avait le figuier. Ça faisait 3 ans passés. Il est passé pour accueillir le fruit. Malheureusement, il n'en trouva point. Et il est rentré pour la première fois, la première année, la deuxième année, il revient. Et il n'y avait toujours pas de fruits. La troisième année, alors, il se mit en colère. Il s'est fâché. Et voici dans ses propos ce qu'il avait dit. Il a ordonné au vigneron de couper cet arbre, de jeter au feu. Pourquoi? Parce que cet arbre, pour lui, occupait la terre inutile. Hein? Ce qui est inutile, on coupe, on jette au feu. Si tu n'étais pas utile, tu ne serais pas resté en vie jusqu'aujourd'hui. Car il y a beaucoup qui ont voulu rester en vie, mais qui malheureusement ne sont pas restés. Et toi qui restes en vie, malgré le haut et le bas, malgré de nombreuses difficultés dont tu fais face au quotidien, mais sache que il y a un plan de Dieu élaboré sur toi. Car il dira, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Mais attendez, puisqu'il y a un projet que Dieu a formulé pour toi, pourquoi veux-tu manger les oiseaux ailés? Les enfants d'Israël, c'est écrit dans la Bible, lorsque Dieu les a donné la viande qu'ils avaient demandé, qu'ils avaient voulu, Dieu n'avait pas l'intention de satisfaire leur désir. Mais c'est parce qu'ils l'ont trop importuné. Ils l'ont embêté. Et en embêtant l'Éternel, vous savez, pour se débarrasser d'eux, il en avait marre. Et vous savez ce qu'il fait? Il leur donne ce qui n'était pas comestible, ce qui n'était pas mangeable. Et lorsqu'ils ont mis dans la bouche, tous étaient morts à cause de ces oiseaux ailés. Malgré cela, ils n'ont pas arrêté de tenter Dieu. Amen. Papa, ta demande avec insistance, c'est une tentation devant l'Éternel. Tu tentes Dieu dans tes demandes. Maman, ta demande avec insistance, tu es en train de tenter Dieu. Tu l'as déjà soumis ton problème. Reste calme. C'est dans le silence que l'Éternel viendra agir dans ta vie. Arrêtez de crier, arrêtez de te lamenter, de te faire des soucis tous les jours. Car si tu ne fais pas, personne ne peut faire à sa place. Il est le seul architecte de ta vie. Ta solution est entre ses mains. Celui qui va vouloir anticiper Dieu te donnera cela pour une courte joie. Il fera semblant de te réjouir. Mais derrière ce bonheur dont tu vas être content de l'avoir, tu pleureras après. Car tout ce qui brille n'est pas l'or. Et ce qui donne l'apparence du bonheur n'est pas le bonheur. Mais ce qui ne donne pas l'apparence du bonheur, c'est ça le bonheur. Car aucun bonheur n'est précédé par un bonheur, ni une bénédiction par une bénédiction. Avant le beau temps, il faudrait qu'il y ait d'abord. Amen. Dieu peut t'accorder ce que tu veux, pas pour satisfaire tes désirs, mais c'est justement parce qu'il en a marre. Il est fatigué de tes demandes, parce que tu le déranges trop. Alors, pour te montrer, c'est-à-dire qu'il veut t'enseigner par la conséquence, parce que par la patience, tu ne comprends pas, il faudrait bien qu'il te donne les oiseaux ailés. Vous pouvez me donner la Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans le Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Nous commençons à partir du verset 20. On peut commencer au verset 15. Verset 15, chapitre 78. Vous êtes à la page? Lisons.
partir du verset 15. Il fendit les rochers dans les déserts. Et il donna à boire comme de flotte abondant. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler les eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, en se révoltant contre le très haut dans le désert. Malgré que Dieu te donne, hier tu avais témoigné pour ceci. Il t'a guéri, tu en es reconnaissant. Reconnaissant. Il t'a donné le travail. Il t'a donné un mari. Mais tu veux tout avoir au même moment. Malgré les nombreux miracles que Dieu avait opérés dans le désert avec les enfants d'Israël, il a fendu les rochers et l'eau a jailli. Il les a fournis tout ce qu'ils désiraient dans le désert, bien que cela soit impossible. Dieu a rendu cela possible. À cause d'eux, ils ont reconnu. Mais vous savez quoi? À cause de la viande, ils ont continué à tenter Dieu, à pécher contre le Très-Haut. Écoutez ce qu'ils faisaient. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Amen. Papa, amen. Le papa, amen. Le papa, amen. Si vous voulez énerver Dieu, il faut formuler votre demande tout en conjuguant le verbe pouvoir. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça signifie? Remettre en cause la capacité et le pouvoir de Dieu d'agir. Si Dieu pouvait me donner, Dieu, si tu pouvais me donner. Non, avec Dieu, on ne dit pas ça. Un lépreux s'est présenté devant Christ en disant, Maître, si tu le veux, tu me rendras. Pourquoi il a utilisé le verbe? Il a conjugué le verbe vouloir. Parce qu'avec Dieu, nous sollicitons sa volonté. Pas le pouvoir, il en a. Même Christ qui dira, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Ce qui voudrait dire, il disposait tout pouvoir pour faire tout ce qui était à son pouvoir. Alors, conjuguer le verbe pouvoir pour demander quelque chose à Christ ou à Dieu, ça veut simplement dire remettre en cause sa capacité ou le pouvoir qu'il a. Et ce qui énerve Dieu, ce qui excite la colère de Dieu, c'est ça. Vraiment, si Dieu pouvait me donner, si Dieu était capable de me donner vraiment ceci, oh, papa, mais il est bel et bien capable. Le fait que cela tarde ne prouve pas l'incapacité de Dieu. Maman, le fait que cela tarde ne prouve pas l'inefficacité de Dieu. Où manque le pouvoir? Le pouvoir y est, sauf que l'Éternel ne trouve pas ce moment comme étant idéal pour toi, le moment propice. Tu peux avoir le travail que tu voulais, et dès que tu arrives dans ce travail, quelque chose surgit en cette période-là, et tu te retrouves en prison pour quelque chose dont tu ne connais ni la tête et la queue. Tu vas dire quoi? Tu vas condamner Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu demandais ce travail sans cesse, tu avais oublié que Dieu ne te donnait pas parce qu'il ne voulait pas te donner, mais juste parce qu'il trouvait que le moment n'était pas bon pour toi. Il t'a donné le travail tout de suite. Tu es monté en grande échelle. Et la famille, les sorciers se sont levés. Et toi aussi, quand tu es monté, même la prière, c'est plus ça. Les sorciers t'ont combattu et ils t'ont éliminé. Tu es parti très tôt. Ça, c'est parce que tu as pressé Dieu. Tu as insisté, tu as obligé Dieu ta volonté. Alors, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné les oiseaux zélés. Pas pour satisfaire tes désirs, mais parce que tu as insisté et tu l'as traité d'incapable. Apprenez à patienter. Apprenez à persévérer. Car le meilleur que Dieu réserve pour ses enfants vient au moment où il en a prévu. Amen. Et à ce moment-là,
tu comprendras que tu en auras plus besoin même qu'avant. Continue un peu dans les tirs. Voici, il a frappé les rochers et les eaux ont coulé et les torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fit irriter. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère se leva contre Israël. Parce qu'ils ne crient pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes de cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain de grain et il leur envoya de la nourriture à satiété. 26. Il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable de mer, les oiseaux zélés. Et il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort, de plus vigoureux, il abattit le jeune homme d'Israël. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas satisfait leur. Hein? Dieu peut te donner, pas pour satisfaire ton désir, justement pour te montrer pourquoi il retardait à te donner. Mais nous devons éviter cette éventualité. Arriver là, il faut éviter. Vous savez pourquoi? Parce qu'après là, tu as compromis tout. Tout ce qui a été destiné pour toi sera donné à quelqu'un d'autre. Car l'Éternel va devoir modifier ta destinée à cause de la précipitation et de l'irritabilité. Alors ta victoire est compromise. Par manque de patience. Quand Dieu ne fait pas des succotables, qu'il n'est pas Dieu. Voilà comment nous remettons Dieu en cause, comme les enfants d'Israël. Malgré de nombreux miracles que Dieu a opérés, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu être aussi justes devant Dieu? Maman, papa, Dieu a trop fait dans ta vie. Mais le jour qu'il ne te donne pas en temps réel ce que tu as demandé, c'est le jour-là que tu te démotives. C'est le jour-là que tu dis, moi je ne comprends pas. Et pourtant je viens à l'église tous les jours. Tu commences à énumérer à Dieu ce que tu fais. Mais s'il te dit maintenant que, et pourtant je t'accorde ne serait-ce que le souffle de vie tous les jours. Alors calculons en une heure et il doit te tendre la facture de ce que tu dois lui payer par rapport à ta respiration. Combien est-ce que tu pourras lui donner? Voilà là où nous sommes injustes devant Dieu. Amen. La première partie de la prédication, c'est ça. Test de compromission avec le monde. Et donc ça, il y a tellement de plaintes, il y a des lamentations. On se plaint d'un certain nombre de choses. Et sans tenir compte que, et il y en a certains qui retardent, justement parce que nous sommes nous-mêmes coupables devant Dieu. Nous sommes si injustes. Amen. Mais il est difficile à l'homme de reconnaître sa mauvaise position devant Dieu. Mais il est facile à l'homme de jeter la pierre à Dieu, de condamner Dieu pour ne pas avoir agi en temps réel, sans tenir compte qu'il n'a peut-être pas été aussi juste devant Dieu. Amen. Amen. Et dans ça, il dira, j'aimerais que nous puissions lire la première partie là. Vous verrez c'est de quoi Dieu est en train de nous reprocher. Il nous reproche de quoi? Dieu te reproche la première partie de la prédication. Si tu te lamentes, tu te lamentes. Amen. Voilà pourquoi tu t'es rendu l'ennemi de Dieu. C'est vrai. Et ça peut aussi retarder ta bénédiction. Amen. Avant de condamner Dieu, faites l'examen de conscience. Faites l'introspection. Regarde un peu tout autour de toi. Est-ce que ta conduite est bonne? Avant de condamner Dieu, est-ce que ta conduite est bonne? Ta conduite ne veut simplement pas dire ce que les gens voient. Il y a des choses que tu fais, d'autres ne voient pas. Les gens ne voient pas.
Mais cela n'exclut pas que cela soit noté comme étant un forfait ou une faute à l'égard de notre Dieu. L'homme peut ne pas voir, mais Dieu te voit. Il y a un cantique que nous chantons ici, chers fidèles. Ce cantique-là, je ne sais pas. Il est intitulé Bomo Inamoto. Nakozala wapi namokolo yango kolo Yesu akoya nakolo manini ekotunanda ye nyonso na salaki yose ekosala kangai nakobomba ma miso na yo ekota ona motema manama. Il va me poser un certain nombre de questions au sujet de mon comportement sur terre, de comment j'ai marché, de ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Maintenant, moi, l'homme, face à ces questions, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui réponds? Aie pitié de moi, homme pécheur, si je ne crains pas l'Éternel. Car tout ce que j'ai fait en cachette, ton œil me voit. Et c'est dans mon cœur où tu trouves la place pour t'asseoir, pour me réjouir. Où que tu sois, l'œil de l'Éternel te voit. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te voir. Enfin, de rendre témoignage. Car le témoignage de Dieu est plus fiable que celui des hommes. Amen. Le comportement de l'homme, c'est ce qui compromet la bénédiction de l'homme. Donne-moi. Amen. C'est ça la parole. Nous allons lire la première partie de la prédication. Rapidement. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 1. D'où viennent le litre et d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et de lits, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Voici la première partie. Amen. Le comportement de l'homme au quotidien. Vous vous êtes retrouvé dans plusieurs points, n'est-ce pas? C'est ça votre quotidien. Et parmi ce point, et comme l'a dit, dans tout le point, il y a des gens ici qui, en eux, ils se retrouvent face à tous ces points. Mais ils n'arrêtent de demander à Dieu des choses. Et ce sont les premiers à condamner Dieu quand ça tarde à venir. Vrai ou faux? Où nous en sommes? C'est ce qui compromet le bonheur. Est-ce que vous comprenez? La deuxième partie, rapidement. Le test de la dépendance. Écoutez. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui rappelle pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui se fait ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un. C'est là où il y a le problème maintenant. Il faut boucler. La prédication, c'est ça, n'est-ce pas? Celui donc qui sait faire ce qui est et ne le fait pas comme un. Hein? Qu'est-ce qui est bien? C'est quoi qui est bien? Le fruit, premièrement, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a interdit, n'est-ce pas? Quelle a été la raison? Le jour que vous en mangerez vos maux, on généralise, bien sûr. Vous liez les particulariser avec Adam. Écoutez, le diable est venu dire à l'homme. Il a demandé à la femme, qu'est-ce que Dieu a réellement? Hein? Pourquoi il a insisté comme ça? C'est parce qu'il voulait connaître d'abord la vérité, pour déformer cette vérité, pour changer cette vérité en ment. Papa, le diable prend la vérité que tu as, il transforme en mensonge pour se servir contre. Hein? Pour transformer la vérité, il faut d'abord la connaître. Et voilà pourquoi il s'est donné la peine de chercher à connaître ce que Dieu avait réellement dit. Une franche vérité. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Oh, laissez, vous ne mourrez pas. Après qu'on l'a raconté ce que Dieu a dit, et c'est comme ça qu'il s'est mis à démentir tout ce que Dieu avait dit. En disant, non,
si vous mangez le fruit, Dieu n'a pas voulu que vous mangez le fruit de cet arbre, justement parce que vous deviendrez de Dieu comme lui. Et vos yeux s'ouvriront et vous allez connaître le bien et le mal. Vous voyez, après qu'il a connu la vérité, il a transformé cette vérité tout en tenant compte des éléments qui composent cette vérité. À la place de l'interdiction de Dieu, lui donne la permission. Amen. Et il a tellement argumenté ça au point où l'homme ou la femme ne pouvait pas résister face à ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe. Lorsqu'elle a mangé, il n'y avait rien, aucun signe. Elle a attendu que son mari rentre. Elle a présenté à son mari. Le mari a pris. Je vous épargne des détails. À manger. À l'instant, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Qu'est-ce que le diable avait dit? Vos yeux s'ouvrent et les yeux s'ouvrirent. Ils ont connu le bien et d'ailleurs, c'est ce qui les a poussés à comprendre qu'ils étaient nés. Lorsque Dieu est arrivé, il a demandé à Adam, où es-tu? Il a répondu, je me suis caché, j'ai entendu la voix de ton arrivée. J'ai eu peur parce que je suis. Oh, qui t'a appris que tu es né? Moi, ton créateur, moi qui t'ai créé. Je ne t'ai jamais appris comment l'homme est né. Mais si tu m'apprends que tu es né, c'est que tu as déjà eu la connaissance du bien. Amen. Amen. Oh, personne ne pouvait avoir cette connaissance s'il ne commençait pas par toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dira, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. J'ai dit, je vous épargne des détails. Dieu le bénit. Et voici Dieu qui dira, voici l'homme est devenu, maintenant l'homme est devenu comme l'un des. Le diable avait dit, vous deviendrez de Dieu comme un. Et Dieu a confirmé, l'homme est devenu comme l'un des, comme l'un des nous. Pour la connaissance du bien, qu'est-ce que vous comprenez par devenir comme l'un de nous. Hein? L'un d'eux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'il était devenu Dieu? Amen. Amen. Mais oui. Mais il est écrit dans la Bible que nous sommes des dieux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous portons l'image de qui? Nous portons l'image de Dieu depuis la création. Depuis le commencement, nous n'étions pas devenus de Dieu, car cette image de Dieu, nous en avions déjà eu depuis notre création. Mais le diable profite de ce que toi-même tu as, et il se sert de ça, ce que tu devrais avoir demain, puisque tu es tellement pressé. Il veut t'amener à avoir ça aujourd'hui pour perdre ça après-demain. Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image? Si nous portons l'image de Dieu, c'est que nous sommes des dieux, n'est-ce pas? En miniature. Pourquoi est-ce que le diable va encore dire que devenir, tu deviendras, vous deviendrez des dieux comme lui? Non. Il portait déjà cette image. Sauf la femme qui portait l'image de qui? Amen. Voici pourquoi le diable est passé par la femme rapidement. La femme portait l'image de l'homme et elle a été faite pour la gloire de l'homme. Portait l'image, porte l'image de Dieu et il a été fait pour la gloire de qui? Mais puisque l'homme en lui, il a l'image de Dieu, la femme qui porte son image, c'est l'image de qui? Même vous-même. Amen. Nous avons dit ceci.
L'homme a été créé pour Dieu et pour la gloire de Dieu, ayant en lui l'image de Dieu. Et la femme a été créée pour l'homme et pour la gloire de l'homme, ayant en elle l'image de qui? Maintenant, l'image qui est de l'homme, c'est l'image de qui? Dieu. Mais c'est de Dieu. Et c'est pourquoi on parle de l'homme avec grand H. Nous avions déjà porté l'image de Dieu depuis le commencement. Le diable est venu profiter derrière ça pour nous détourner de la voie de Dieu. Amen. En disant que vous deviendrez de Dieu comme lui. Et Dieu dira, l'homme est devenu comme l'un de nous. Cela ne voudrait pas dire que l'homme était devenu Dieu. Parce qu'il l'était déjà. C'est l'homme qui était l'image de Dieu sur la... Lorsque Dieu a créé l'espèce aquatique, il n'avait rien dit. Il a créé la volaille, il n'a rien dit. Il a créé l'animal, il n'a rien dit. Mais le jour de la création de l'homme, voici la parole d'honneur que Dieu a sortie. Faisons l'homme à notre image. Selon notre récent, cette image de Dieu, on en avait déjà. Donc, ce n'était pas à cause de manger le fruit qu'on pouvait devenir Dieu, parce qu'on avait déjà cette image. On portait déjà l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un d'eux, c'est le diable qui était avec eux, mais qui se rebellait. Ce qui voudrait dire que l'homme s'est rebellé. Il a suivi la voie du diable. Le diable est bien parmi eux, mais lorsqu'il s'est rébellé, il s'est rébellé en quoi faisant? Il ne voulait plus adorer, mais il voulait se faire adorer. Or, l'homme, lorsqu'il a appris qu'il deviendra Dieu, c'était dans le but qu'il soit adoré et non qu'il continue à adorer. Il s'est rébellé. Voici comment l'homme est devenu rebelle. C'est pour cette raison que Dieu dit, puisqu'il est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel, hein? Puisqu'il cherchait déjà le pouvoir d'être adoré. Alors si il touchait à l'arbre de vie et qu'il a mangé, il allait vivre éternellement. Alors, il y aurait une possibilité que l'homme puisse se comparer avec qui? Comme le fait le diable. Vous voyez? Il a empêché l'homme. Papa, est-ce que vous avez compris? Devenir comme l'un de nous. Hein? L'un d'eux, c'était qui? L'accusateur de frères. L'accusateur de ses frères, c'est qui? Justement. C'est là où tu vois l'homme vit qui est dans l'accusation. Il accuse même Dieu. Vous imaginez le degré de l'accusation de l'homme a atteint même, ça a dépassé des limites au point où l'homme accuse même Dieu. Et lorsque l'homme s'est rébellé, vous savez ce qu'il a fait? Il a accusé Dieu. En quoi faisant? L'homme, où es-tu? Père, j'ai entendu la voix de ton arrivée. Je me suis caché. Et j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Oh, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger. Il a accusé qui? Mais cette accusation, c'est Dieu. C'est la femme que tu as mise auprès d'elle. Il a accusé qui? Donc, ce qui voudrait dire, si Dieu n'avait pas mis la femme à ses côtés, vous comprenez tout de suite? Il est devenu comme l'un d'eux. Or, l'un de nous, c'est l'accusateur de nos frères, Satan le diable, qui après Dieu a estimé qu'il ne pouvait plus rester dans le ciel. Allez, va en bas sur la terre. Mais seulement à lui, Dieu l'a préservé la vie pour qu'il ne meure pas. Et qu'il demeure éternellement et voir comment est-ce que l'homme qu'il a déformé va être réformé. Mais à l'homme, puisque le sentiment avait déjà habité l'homme, d'être. Vous ne voyez pas que l'homme aime l'honneur. C'est là où Dieu condamne formellement l'orgueil. Il résiste aux hommes et il fait grâce aux ceux qui s'humilient. La gloire de Dieu a été partagée. Et lorsque l'homme a reçu ce pouvoir, et Dieu est devenu jaloux. Il dit même pas d'autre Dieu à son égard. Et toute la gloire revient qu'à Dieu.
Et l'homme veut la gloire sur ses épaules. Quand il rentre dans l'église, les gens doivent acclamer. Les gens doivent étaler les pannes. Hein? Les femmes. Ils aiment être salués dans les places publiques. Oh, mon père. Vous connaissez. Assis. Rêvé. Vous connaissez. Je ne suis pas habilité de juger qui que ce soit, mais je voulais juste te donner un exemple pour prêcher la vérité. La gloire, l'homme cherche ça. C'est Dieu qui guérit, mais il dit que je te délivre. C'est Dieu qui délivre. Papa, dans cette église, Mosakol ne peut pas te guérir. Motei ne peut pas te délivrer. C'est Dieu qui va te délivrer au travers de ta foi, mais il va utiliser les instruments qu'il a choisis, qui sont les serviteurs qui sont là. Aucun des serviteurs ne peut se glorifier pour ta guérison. Que ça vient de lui, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Mais Dieu l'a utilisé comme un instrument. D'accord? Pour que cette gloire revienne qu'à l'homme. Papa, c'est clair? Voilà. Il a acquis Dieu. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, autrement je ne serais pas arrivé là. Donc c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a séduite. C'est là où Dieu dit, la femme, puisque tu as fait cela, toi et moi, on ne va plus s'entendre. Il n'y a qu'une seule chose qui va nous réunir. Vous savez laquelle? Le salut de la femme est conditionné. La femme sera sauvée difficilement. Quelle femme? Celle qui n'a pas les œuvres. Maman, tu es appelé à faire beaucoup de œuvres, avoir beaucoup de œuvres dans la maison de Dieu. Parce que ton salut est conditionné. Et sans les œuvres, il n'y a rien qui peut t'amener devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne m'avez pas compris. Donnez-nous la référence. De Timothée. 1 Timothée. Hein? De Timothée 2, 15. Rapidement, lisez-nous ce passage. Amen. 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 1 Timothée chapitre 2. Nous commençons au verset 11 et chuter jusqu'au 15e verset. Suivez bien les mamans. Amen. Je vous invite à suivre minutieusement, le papa également. 1 Timothée chapitre 2, 11 à 15, lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Reprenez le verset 15, Timothée. Elle sera néanmoins sauvée. Allez, Timothée. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Le moment, c'est assez clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, écoutez, amen. À cause de ces conditions, les femmes ont obtenu une grâce parfaite que les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui sont allés voir en premier la naissance et la résurrection de Jésus? Toujours. Sur, à la dernière minute, écoutez, à la dernière minute, Jésus s'est retrouvé avec que le femme et un seul disciple qu'il aimait beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'il dira, troisième parole de Jésus sur la croix, « Fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton. » C'est pour cette raison que Jésus, durant tout son parcours, n'avait jamais appelé sa maman « maman ». Et lorsqu'on l'a même dit que ton père et ta mère, tes frères sont dehors là, il a enlevé ça, il a enlevé cet équivoque. Il dit ses parents, sa famille,
c'est ceux-là qui écoutaient la parole de Dieu et qui la mettaient en jusqu'à la dernière minute. Il appelait sa maman femme. Or, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Pas parce que tu as mis beaucoup de enfants au monde. Non. Mais quand tu as la capacité de tout encaisser, de supporter sur toi, tu deviens mère. Dans la modestie, tu persévères dans la modestie, dans la sainteté et dans l'amour. Voici les conditions. Amen. Si seulement vous remplissez ça, vous obtenez une grâce excellente et parfaite. Maintenant, vous irez dans une église, vous trouverez une femme en train de prêcher ici. C'est l'abomination. C'est l'esprit de Python. Cher papa, vous rentrez dans une église où la femme est leader, la femme est pasteur, elle prêche devant. Partez de cette église. Comment acceptez-vous qu'une femme puisse prier pour vous? Une femme vous impose ou vous pose la main. Et vous êtes là à genoux. Oh non, c'est ma maman spirituelle. Maman spirituelle n'existe pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Comment est-ce que tu peux accepter que la femme puisse prendre l'autorité sur toi? Tu veux me poser la question, maman? Qui était Déborah, c'est ça? Elle était prophétesse. Qui est Mos Brigitte? Mos Sakoli. Fille des prophètes. Qui est Mos Sakoli Godé? Mos Sakoli. Elle prophétise, mais elles n'oseront jamais vous donner la prière. J'ai reçu Mos Godé chez moi à la maison, et puis elle a prié pour moi. Hey! C'est ces jours-là que Mos Sakoli Godé n'est plus Mos Sakoli. C'est fini pour elle. Ça ne peut pas se faire. La femme doit écouter l'instruction en personne. Dieu ne permet nullement à la femme de passer ici pour prêcher. Les évangélistes, les femmes n'existent pas. Jésus en avait combien? Combien les apôtres femmes? Quel est le féminin du pasteur? Pourquoi ça n'existe pas? Le féminin d'évangéliste. Ça, c'est le sens unique. Il n'y a jamais eu de sens dans ces mots. Amen. C'est ça. Si vous voulez beaucoup de versets, Moté, il va vous donner ça. À ce qui concerne la femme doit se taire dans l'assemblée. Là où vous êtes là-bas, si vous aviez quelque chose. Au lieu de venir dire ici, vous direz à un homme. Mais Mos, comment il témoigne? Elle témoigne. Témoigner, ce n'est pas prêcher. Elles viennent témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Elles ne viennent pas ici pour prêcher, prier pour les gens. Oh, maman spirituelle. Ma maman spirituelle. Vous avez tellement été soumise à ces gens d'abomination. C'est l'abomination, je dis. C'est l'abomination, papa. Vous n'arrivez toujours pas à réaliser ça? Le ministère de la femme n'existe pas. Jésus n'avait aucune femme dans ce qui composait son corps. Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Il n'y a pas de femme. Il y a le féminin du prophète, prophétesse, mais pas d'apôtre, pas d'évangéliste. Parce que la prophétie ne nécessite pas ici seulement. La prophétie ne nécessite pas seulement ces lieux. Ici, c'est pour prêcher. La prophétie, c'est en silence, nous deux, calmement. Sans pourtant que la troisième ou quatrième personne ne soit au courant. Vous qui avez des mamans spirituelles. Côté. 1 Corinthiens 14, 33 à 35. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose,
qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Car il est malséant. Que maman spirituelle parle à l'église. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Celui dont qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un hein? Le bien dont il s'agit, c'est la volonté parfaite hein, de Dieu. Et cette volonté se caractérise sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs éléments. Et ces éléments-là, c'est ce qui constitue notre quotidien. C'est tout. Voilà pourquoi on a donné l'exemple pour vous qui avez l'habitude de dire « Demain j'irai, je ferai, je travaillerai, je vais voyager, je vais construire. » Vous péchez devant Dieu. Et si vous ne vous réveillez pas demain, vous péchez devant Dieu pour avoir dit ça. Papa, apprends à dire si Dieu le veut. Et là, nous revenons sur quoi? Sur la volonté de... C'est-à-dire que c'est qui... C'est pas que... En fait, pour ce verset ou cette partie ne veut pas dire que les projets qu'élabore un entrepreneur sont de mauvais projets. Non. Mais le projet devient mauvais lorsque Dieu est exclu. Lorsque vous élaborez les projets, vous planifiez les choses à faire sans insérer Dieu dans ça, vous péchez. Car celui qui vous aidera à accomplir ça, c'est Dieu. Pourquoi posez-vous la question au quotidien que tout ce que j'élabore comme projet, ça tombe dans l'eau, je ne parviens pas à réaliser? Justement parce que tes projets sont égoïstes. Lorsque tu l'élabores, tu n'associes pas Dieu. Voici pourquoi tu échoues toujours. La présence de Dieu doit être en tout et pour tout, dans tout ce que vous faites. Même pour se lever le matin, tu le feras si Dieu veut. Il y a des gens qui ont fait des programmes pour demain. Ils ont oublié qu'il est écrit que le lendemain ne nous appartenait pas. Et le matin, ils ne se sont pas réveillés. Et il y a d'autres qui se sont réveillés avec une forte fièvre. Ils n'ont pas pu. Pas plus tard que hier, il y avait beaucoup de rendez-vous, n'est-ce pas? Mais la pluie est venue faucher tout. Bien que c'est difficile à l'homme, quand il a un rendez-vous important, même sous la pluie, il partira. Mais quand il s'agit du rendez-vous avec Dieu, pour lui, c'est un rendez-vous moins important. Je ne suis pas venu à l'église sous la pluie. Je ne suis pas venu à l'église parce que je n'avais pas l'argent d'État. Voilà comment tu t'éloignes de Dieu. Amen. La deuxième partie de la prédication, c'est ça. Toi qui élabores le projet sans associer Dieu, et pourtant tu sais que c'est lui le maître de tout, alors tu pèches devant Dieu. L'échec de ta vie ne provient que de tes propres pensées égoïstes. Le jour que tu vas associer Dieu dans tout ce que tu fais, et c'est ce jour-là que tu vas avoir du succès, de la réussite dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes entreprises. Amen. Comment peut-on associer Dieu? Est-ce que c'est par le simple fait de dire que Seigneur, vraiment demain si tu veux, je... Non. Pour associer Dieu, cela ne peut pas être verbal puisque les païens le font. Les ngangas le font. Les sorciers le font. Mais il faudrait que notre manière de faire ou d'associer Dieu dans tout ce que nous entreprenons soit différente aux païens ou à celle des païens. Vous comprenez? Vous associez Dieu dans vos projets. J'ai un projet, par exemple, un exemple, de construire une maison à trois niveaux. Seigneur, ce projet, j'aimerais que tu sois devant. Tu sois le principal architecte de ces projets. Voici ce que j'envisage faire, parce que ces projets viennent de Dieu. Papa, il n'y a aucun projet qui vient de ta tête, qui vient de toi-même. Hier, avant que cela n'arrive, tu ne le savais pas. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu auras ces projets. Et c'est lui qui t'a présenté cela. Mais malheureusement, il faut que ça vienne. Tu trouves que l'importance pour toi-même et dans le calcul de ces projets, comment est-ce que ça va marcher, ça va tenir, tu n'as même pas inséré ce que Dieu aura comme avantage dans ces projets. Vous voyez l'égoïsme?
là, tout le monde est calme. Parce que là, tous sont coupables le soir. J'ai envie de construire. Et Dieu, dans ses projets, se trouve donc à quel niveau? Qu'est-ce qui lui revient? Où est l'offrande de ta construction? Seigneur, dans ce projet, j'ai envie de réaliser R plus 5. Dans le R plus 5, premièrement, le peu que j'ai en main, je prélève d'abord ta part pour que tu sois le meilleur architecte et le superviseur. C'est toi qui m'aideras à pouvoir arriver à terme de ces projets. Tes projets ne tiennent pas parce que tu te crois capable de le faire sans Dieu. Et il te laisse, vas-y. Et quand tu vas oser, ça tombe en faillite. Et tu te mets à poser mille et une questions qui malheureusement tu n'auras jamais de réponse. Alors la réponse, la voilà aujourd'hui. Ces projets ne tiennent pas parce que tu es si égoïste. Tu veux le démarrer sans Dieu. Ton projet de commerce ne tient pas, maman, parce que tu es égoïste. Parce que pour toi, tu trouves ça que c'est de la peine de prélever une dîme, une offrande dans ce capital pour démarrer ce dont tu veux. Projet égoïste. J'ai un ami qui est en Turquie. J'ai un ami qui est à Dubaï. J'ai un ami qui est à Lomé. J'ai un ami qui est au Sénégal. Vraiment, il me dit, avec 100 000 francs seulement, il peut m'envoyer des choses et on vend, je gagne 1 million. Tu as pris toute ta confiance, tu as pris toute ton espérance, tu as reposé sur cet ami. Et quand l'argent vient chez l'ami qui est au Sénégal, et puis le lendemain, l'appareil de votre correspondant soit tombé, soit volé, soit il n'a pas envie de répondre. Et mon argent, ton argent, n'est-ce pas? Il y en a d'autres ici, même quand ils font des projets qui consistent en argent, ils cachent au serviteur de Dieu. Ils ne viennent pas demander la vie spirituelle. Amen. Mous, voici ce que j'ai. J'ai envie de faire quelque chose avec. Qu'est-ce que Dieu me dit? Ah, Mous saura que j'ai l'argent. Il va dire que l'arrivée du prophète que je prends en charge. Quand tu vas te faire arnaquer, Mous, je te dis, je m'apprêtais à venir là-bas pour t'expliquer que j'ai un projet que je veux entreprendre. Mais du coup, mon petit frère est venu avec quelqu'un. Vite. Et quand je donne comme ça, voilà la personne, le numéro ne passe plus. Dis simplement que j'étais zappé. Hein? J'étais échappé. Je voulais faire quelque chose de moi-même pour que tu ne sois pas au courant. Mais ça tournait au vinaigre. C'est quand ça tourne au vinaigre que moi, c'est au courant. N'est-ce pas? Arrêtez d'être égoïste devant Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ce que vous voulez faire, mettez Dieu au centre de ça. Si Dieu veut, si Dieu le veut, je ferai ceci, cela. J'irai, je voyagerai, je construirai, je ferai. C'est avec Dieu, parce que c'est une condition. Tout ce que tu pourras faire sans Dieu, cela ne marchera jamais. Ces pensées égoïstes, négatives, c'est ce qui t'amène à connaître l'échec tout le jour de ta vie. Il y a des gens ici qui ont acheté des terrains pour construire, on les a arnaqués ça. Il y en a ceux qui ont acheté des maisons, et les maisons jusqu'à aujourd'hui, est toujours inhabitable. Hein? Oh Dieu, pourquoi tu... Et pourtant je prie, pourquoi Dieu peut m'exauder? Prier, ça veut dire quoi? Enfreindre la loi de Dieu? Ou passer outre les ordonnances de Dieu? C'est ça, prier? Voilà. Donc aujourd'hui, on nous a enseigné. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est ce qui englobe notre vie quotidienne. Tout ce que tu veux faire, si tu considères que cela est bien, il faut associer Dieu. Et quand tu vois que ce que je dois faire, c'est bon, je ne le fais pas, devant Dieu, tu es égaré. Après, ne demandez pas pourquoi mon problème tarde. Pourquoi ma bénédiction est... Voilà. Ma question est dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 21. Apocalypse chapitre 21 verset 21. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle.
La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Question. Ma question est de savoir, je veux savoir ce qui représentait les pertes, pardon, et quelles étaient ses portes, et quelle place de la ville nous parlons ici, et l'or, c'était l'or charnel ou l'or comment, à main. Apocalypse 21, le Père, Dieu a parlé de la construction de son temple, d'accord? Et ce temple, il en a construit avec des matières précieuses, notamment 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël, comme nous l'avions dit le dimanche passé. Vous comprenez? Les 12 tribus d'Israël est représenté ou sont représentées par ces pierres précieuses. Nous avions des émeraudes, comme nous avions parlé, des ardoines, des sardoines, des saphirs, des calcédoines, des hyacinthes, des béryls. Voilà. Il y en a 12 pierres. Si vous regardez ça, c'est toujours dans l'Apocalypse là. C'est ce qui a servi pour le fondement de la maison, du temple de Dieu. Vous comprenez? Et il a disposé ce temple de manière suivante. Le temple avait 4 côtés, c'est-à-dire avait la forme d'un carré qui avait 4 côtés. Et ces côtés étaient égaux. Et dans chaque côté, il y avait 3 portes. Et qui, lorsque nous additionnons, nous donne combien de portes? 12 portes, n'est-ce pas? Or, Jésus qui dira, je suis la porte. Si quelqu'un, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Vous comprenez? Ce qui voudrait dire, ces portes. Dans chaque porte, il y avait des perles. Si vous suivez plus loin, vous verrez qu'il y avait 3 anges sur 3 portes. À l'est, il y avait 3 portes. Au nord, 3 portes. Sud, 3 portes. Et l'ouest, 3 portes. Qui faisait 3 fois 4, ça fait combien? Nous revenons toujours sur le chiffre de 12. L'image de Christ. Parce que le premier temple qui était fait à l'idéologie terrestre, c'est ce qui a été gaspillé. L'ancienne Jérusalem, il a failli le deuxième temple, la nouvelle Jérusalem qui vient, qui descend du ciel, qui contenait l'idéologie céleste. Et ça a été créé selon la pensée et la volonté de Dieu. C'est la marque déposée de Dieu. L'homme n'a pas vu la fabrication de ça. L'homme n'a pas vu la création de ça. Alors ça a été créé en haut et c'est descendu. Et l'homme n'aura pas la facilité de la gaspiller. La nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? La première Jérusalem, l'ancienne Jérusalem a été gaspillée parce qu'elle a été construite par des hommes. Mais la seconde a été construite par Dieu lui-même. Et cette Jérusalem n'avait pas besoin de cette lumière pour éclairer, ni du soleil, ni de la lune, mais plutôt de la gloire de Dieu. Elle était couverte de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu a mis tout ce qui est précieux pour sa maison. Telle que ces pierres-là, avant, valait plus que le diamant et l'or. Vous comprenez? Donc, ces pierres précieuses d'avant, c'était plus que le diamant aujourd'hui, plus que l'or aujourd'hui. Les saphirs, les émeraudes, c'était des pierres vraiment extrêmement précieuses aux yeux de l'Éternel. Et c'est avec ça que Dieu a recommandé que sa maison soit ou son temple soit bâti. Donc, tu as compris? Merci. Qui met le pied droit devant et sa tenue, premièrement vers le pied gauche. Et pour se relever, il se relève d'abord avec le pied droit. Je me pose souvent des questions. Est-ce que ça a une signification? Moi, je pense que c'est pas une idée, mais je ne comprends pas. Je vais vous dire si il y a une signification. Les serviteurs pour s'agenouiller. On va dire quoi? Mais c'est la liturgie. Amen. C'est la liturgie. Écoutez. Nous avions une sainte doctrine. Elle est répartie dans plusieurs branches. Et parmi lesquelles, nous, serviteurs de Dieu, nous avions certaines branches qui nous sont sévères. Plus que vous. Amen. Le jour que vous me verrez en route avec la culotte, comprenez que je suis déjà égaré. Vous comprenez? Le jour que vous me verrez porter des chaînettes ici devant, même
dehors. Comprenez que je suis égaré. Vous comprenez? Le jour que vous me verrez avec des bagues, comprenez que je suis égaré. Mos, quand tu vas te marier à l'état civil, tu feras comment? Dès qu'on termine avec le maire, et puis je lui donne sa bague. Vous pensez que le mariage, c'est la bague? C'est la bague. Non, le mariage, c'est pas la bague. On termine à la mairie, hein? Rien qu'à la porte de la mairie, là. Pour moi, avec la bague, c'est fini. L'alliance reste là. Vous comprenez? Vous, ce n'est pas interdit. Nous, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a plusieurs branches de la doctrine et il y en a certains parmi lesquels qui nous sont sévères. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez Moss dans un bar en train de boire un jus. Ça n'a aucun sens. N'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Moss peut aussi être là et puis la mauvaise musique du bar. Quand ça chauffe là, et puis il prend la Guinée, s'il met dans la bouteille de coca. Et puis vous voyez le coca, oh c'est quelqu'un qui boit le coca, mais il est saoulé. Vous voyez le coca là? Il reste mal, il n'y a même plus de coca. Il reste seulement le malta. Donc c'est ça en fait. Il y a des choses que nous. Ça c'est la liturgie, c'est la doctrine simplement. L'harmonie, simplement c'est l'harmonie de la doctrine, vous comprenez? Voilà, c'est l'harmonie de la doctrine. C'est comme quand on mange à la Sainte-Seine, on mange le pain de Jésus. On fait comment? On ne mange pas comme le pain ordinaire, n'est-ce pas? On prend le morceau, on attrape comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête. On mange. Le sang de Jésus, on prend la coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On attrape les deux mains. Ne prends pas ça comme ça, comme si tu buvais de l'eau, non. Ou de la rigame, non. Tu attrapes et tu es concentré. Après que tu prends le carafe. La carafe, tu prends la carafe dans la main droite et le petit verre là, dans la main gauche. Tu te sers toi-même, le protocole. Tu ne dois pas servir quelqu'un, il se sert seul. Hein? Tu déposes la carafe sur le plateau et tu prends l'autre main droite. Tu joins sur la main gauche pour attraper bien le petit verre. Et comment on fait? Tu attrapes ça comme ça. Tu soulèves la tête. Le pain, tu baisses la tête. Et le sang de Jésus, tu soulèves la tête. Voilà comment on boit. Après que tu termines, tu baisses la tête maintenant. C'est comme ça. Mais il y a d'autres qui boivent ça quand on met. Et il y a des mamans qui viennent. Les fidèles de l'Eloba, vraiment, vous n'êtes pas bien. Il y a des mamans, elles coupent le pain, elles coupent aussi pour son fils. Qui t'a dit ça? Il y a des enfants aussi qui sont pointis ici. Maman, donne-moi. Je te donne quoi? Elle boit un peu et puis elle donne à l'enfant. Non. Amen. Si vous lisez dans Habacuc 2, chacun boira seul. Bois seul et mange. Hein? Voilà. C'est ça. Donc, c'est juste l'harmonie de la doctrine, des liturgies. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça, l'observation est bien faite. Le pied droit vient, on plie le pied gauche et puis on tire le pied droit. Pour s'élever, c'est pareil. Tu commences avec le pied droit et tu tires le pied gauche après. C'est juste l'harmonie de la doctrine. C'est comme ça que la doctrine nous exige. Comme la doctrine nous exige, pendant le cantique nouveau, on doit être debout. La ville sainte, debout, septième trompette, à genoux. Ésaïe 49, assis, c'est la doctrine. C'est comme ça que Dieu a institué cela. Et c'est pareil que nous. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le jour que vous n'observez pas ça avec quelqu'un, ne dites pas qu'il a enfreint la doctrine. Mais il faut aussi regarder son état. C'est comme quand il y a eu un moment là, on mettait les chaises devant ici. C'était pourquoi? Ce n'était pas pour que oh, c'est spirituel. Et il y a les anges qui descendent sur les chaises là. On ne refuse pas que les anges peuvent descendre. Mais ce n'était pas ça l'objectif.
L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que parmi nous ici, il y a ceux qui vieillissent déjà aussi. Pour éviter les scandales, les cantiques de la prière du peuple, quand ça prend du temps, hein, il y a beaucoup qui ne supportent pas comme vous aussi. Mais nous sommes tous humains. Maintenant, nous, on a estimé qu'on peut tenir même 45-50 minutes, donc enlever les chaises. Quand vous regardez vous-même, vous voyez l'histoire. Ça dépend aussi du gabarit. Hein? Vous-même, vous voyez. Je vois seulement il y a des papas ici là pour s'élever pendant la prière du peuple. Il a du mal. Hein? Les mamans ici, là, elles se lèvent et s'assoient d'abord. Quand on dit les mamans, lèvez-vous, c'est l'animation. Est-ce que l'homme là comprend que les genoux font mal? Il y a aussi ce type de gens ici. Nous sommes aussi là. Hein? Nous qui sommes minces là. Hein? Hein? Donc, ça peut aussi arriver. C'est les mamotés, qui sont bien. Et ils sont bien, ils sont slimés. Hein? Il n'y a plus de serviteurs gros que moi et Moté ici apparemment. C'est nous qui souffrons ici. Quand? Et le jour là, si tu veux faire transpirer quelqu'un dans le strade, tu dis bon, on va mettre le long cantique, les 4 couplets. Et qui va vous faire 12 couplets pendant la prière du peuple. Amen. Donc, c'est pas que oh non, non, c'est justement ça. Pour éviter que quelqu'un, hein, parce que selon ce qui nous a été enseigné, quand tu as des malaises ou bien tu ne te sens pas bien, tu peux aussi t'appuyer sur la chaise. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que quand, au fur et à mesure que l'âge, le poids de l'âge aussi compte, hein, la manière que nous nous agenouons, il y a des papas qui sont là, nos papas, c'est l'âge, c'est même pas que, oh non, c'est la maladie, c'est l'âge. Parce que nous-mêmes, il y a des moments, quand on se lève là, si le jour là, ça a mis du temps, tu sens que les pieds sont grippés. Mais comme on est jeune, on décrypte ça comme ça. Voilà. Et après, ça passe. Amen. Donc, c'est pour dire que c'est juste l'harmonie de la doctrine. Un moment. Il n'y a rien de particulier. Oh non, le Saint-Esprit, la vie du Saint. Non. Il n'y a rien de particulier. Qui n'a pas bien compris sa question? Qui n'a pas compris? Où est-ce qu'il y a les zones d'ombre? Même si ce n'est pas ta question. Il n'y a pas de zone d'ombre, n'est-ce pas? Hein? Mais nous avons répondu de manière globale. On parlait de choses précieuses. D'accord? L'or, c'est la richesse, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout ce qui est cher, tout ce qui est précié. C'est ça. Pour rester frère, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est malheur, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est, hein, tout ce qui mérite, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est meilleur. Quand on dit l'or pire, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez pire, d'assez, en fait, extra devant Dieu. Tout ce que Dieu trouvait que c'était utile pour lui, c'était important, ce qu'il aimait. Et il a demandé à ce que cela soit mis à la construction de son temple. Donc c'est dans ce sens. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu vous protège. Vous qui demandez Dieu avec insistance, aujourd'hui vous avez compris, n'est-ce pas? Attention d'obtenir les oiseaux zélés à la place de la nourriture qu'on demandait. C'est une prophétie dont le temps est fait. Si elle tarde, attend. Elle ne mentira, elle s'accomplira certainement. D'accord? Voilà. Elle marchera vers son terme. Le temps est déjà fixé. Si Dieu a prévu ta bénédiction en 2023, ne soyez pas si impatient en 2022. Car c'est non loin de notre bénédiction que nous compromettons tout. Nous baissons la garde, non loin de notre solution. Vous aviez parcouru tout ce temps, tous ces parcours, vous avez patienté, vous avez surmonté, mais à la dernière minute, quand vous baissez la garde, le même est venu vous exciter, abandonner, parce qu'il a vu que votre bénédiction déjà l'emporte. Amen. Voilà pourquoi Christ disait, même l'envenement de son arrivée, ce serait ça. Vous serez haïs, persécutés, tenez bon et priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, et que Dieu épargne. Vous voyez,
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en tous les saints, que celui qui lit fasse attention. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme arrivera à l'heure où vous n'y penserez pas. Oh, quand vous verrez toutes ces choses, oh, sachez que l'homme est à la porte. Et puisque vous ne savez les jours auxquels oh, 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 quand vous verrez toutes ces choses, puisque vous ne savez ni à laquelle. Quand vous verrez, écoutez, chers fidèles, vous êtes à l'église, vous marchez selon les principes de Dieu, vous respectez la Bible, vous respectez les offrandes, vous œuvrez dans la maison de l'Éternel, vous faites ce qui est droit aux yeux de Dieu, et que vous demandez quelque chose à Dieu, ça tarde. Réjouissez-vous parce que ce qu'il a prévu pour vous, c'est au-delà de ce que vous avez demandé. Et il estime que le moment n'est pas. Voilà. Tu dois attendre que le bon moment arrive. Tu rentreras en position de ça. N'est-ce pas? Papa, il n'était pas arrivé dans la vie, j'ai posé cette question. Les gens que tu as enviés quand tu grandissais, qui ont pu construire des maisons, qui ont pu réaliser des choses, tu les enviais. Tu disais au moins eux, Dieu le connaissait. Aujourd'hui, tu n'as pas pu réaliser plus qu'eux. Amen. Qui d'entre nous ici n'avait pas envié son père? On a envié tous devenir papa, n'est-ce pas? Je me rappelle bien quand on était petit, tu regardes l'assiette des papas. Tu regardes ton assiette. Tu dis, ah Seigneur. Vous voyez le petit saucisse là? Il y avait un enfant un jour qui est rentré au marché avec sa mère. Quand il a vu ça, il dit, ah, que Dieu me fasse grâce, que je grandisse vite, que je devienne riche. Les jours que je vais devenir riche, la première des choses que je vais faire, je vais d'abord acheter le paquet de saucisses là seul. Je mange ça seul. Vous voyez le rêve de quelqu'un? Tous ici, on a envié nos mamans, n'est-ce pas? Nos papas. Mais aujourd'hui, certains se rendent compte qu'ils ont pu réaliser des choses plus que les parents. Et il y en a d'autres ici, on a envié la sagesse, l'intelligence de nos parents. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez eu plus de diplômes qu'eux. N'est-ce pas? Ce qui voudrait dire, il n'y a rien à envier sur la terre. Ce que tu désires, attends simplement que Dieu te donne au moment opportun. C'est pas la peine d'envier X aujourd'hui parce qu'il a eu. Demain, tu pourras peut-être avoir ça plus que lui. Soyez juste patient. Et l'Éternel te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Peut-être c'est plus grand que ce que tu as envie. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen.
enseignement de ce matin qui était tiré dans l'épître de Jacques, à son chapitre 4, 17e verset. Jacques, chapitre 4, 17e verset. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous avons tous suivi avec attention la prédication et l'exhortation. Le plus important, c'est la mise en pratique. Mettons cette parole, cet enseignement en pratique et l'Éternel nous bénira. Amen. L'Éternel que les gloires, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Seigneur, tu as réuni tes enfants ce matin pour écouter ta parole. Tu as dit tout ce qui vient vers toi. Ne rendront pas les mains pour toi. Tu leur donnes la paix, la sécurité, la tranquillité. Qui nous enseigne ce matin de pouvoir faire ta volonté, ce qui te plaira et te bénira tes enfants. Seigneur, nous demandons à toi, le seul qui donne la paix à tout un chacun de nous, de protéger tes enfants, de les bénir des hauts des cieux. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous les résumons dans la prière que tu nous as léguée, notre Père, qui es aux cieux, que tu nous sois sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi que appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La ville sainte. Oh,
Amen. C'est lui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Bien Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et Nazareth soit avec tous. Alléluia. Oui, tu es ma lumière.